Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée hier. Peut-être que vous êtes entraîné, que vous avez fait la séance d'hier matin en live et je vous retrouve aujourd'hui. Peut-être que vous avez fait la cardio hier au soir, une cardio de rediffusion. Je sais pas. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur ce que vous avez fait. Voilà, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes bien motivé. Moi, je le suis et je suis vraiment très contente d'être là et puis de pouvoir faire du sport avec vous. Voilà, on est tous ensemble, on s'encourage, on est nombreux derrière l'écran et on va faire notre bonne séance pour se défouler, pour se renforcer, pour se faire plaisir, pour garder le moral encore. Je pense que le confinement va encore un petit peu durer, mais c'est pas grave. Voilà, on s'accroche, on tient bon et puis on continue à se bouger, à faire nos séances et à se retrouver régulièrement. Ça fait vraiment du bien. Voilà, je vais pas dire que vous m'avez manqué, mais si, un petit peu. Hier soir, j'y ai pensé. Alors on va, comme d'habitude, il y a le chat en live, il y a Camille qui est là pour me dire, il y en a déjà qui sont connectés. Pascal qui dit bonsoir à tous après une belle journée ensoleillée au top. Yes, salut Pascal, motivé, très bien, ouais, avec ce soleil en plus. Il y a Ludovic qui dit bonsoir, hier soir j'ai fait la séance cardio confinement jour 4. Ah, Ludovic a fait la séance cardio du jour 4, elle était dure. Je ne sais plus ce qu'on a fait, mais d'accord, mais très bien, donc tu n'as pas lâché. Non, il y a aussi Véronique, Isabelle. Salut Véronique, Isabelle. Edith Emmanuela, très bien. Bah, j'espère que vous êtes tous prêts, même ceux qui ne chattent pas. N'oubliez pas le tapis pour vous isoler du sol, le matériel, tout ce que vous avez qui peut servir à faire en sorte que les exercices soient plus difficiles, les haltères, si vous n'en avez pas, des bouteilles d'eau, des poids en tout genre, des sacs de riz, des gros packs d'eau, 5 litres, 10 litres, 25 litres, les élastiques pour les quadris, les ischios, éventuellement un bâton, si vous ne prenez pas d'alter, vous pouvez remplacer par un bâton. Si vous n'avez rien du tout, ni bouteille d'eau, ni pack de riz, ni rien, vous pouvez faire sans rien et contracter les poings et refermer. La corde à sauter, pour ceux qui aiment bien et qui veulent remplacer certains exercices cardio par la corde, n'hésitez pas. En tout cas, faites-vous plaisir sur la séance, adaptez les exercices par rapport à vos capacités, à votre niveau, à votre forme et à vos envies aussi. Faites-vous plaisir. Et puis le Swiss ball aussi, si vous avez envie de faire du Swiss ball, moi je vais montrer tous les exercices sans, puisque à la base on n'a pas de matériel chez nous, mais ceux qui en ont, n'hésitez pas à faire dessus, c'est un très bon outil. Je crois que j'ai tout dit, la gourde d'eau évidemment, ça c'est important, et puis je vais mettre la musique. On va démarrer pour l'échauffement et puis on passera au programme. Voilà, j'arrive tout de suite. Allez, on y va. Inspirez, étirez, doucement, relâchez. Inspire, on se met en condition, on se concentre. Inspirez, soufflez, relâchez, écartez les jambes pour pouvoir aller un peu plus bas. Balayez et on va chercher sur jambe gauche. Milieu, à droite. Et encore. On balaye le sol, on remonte d'un côté, on étire vers l'arrière comme on peut, on relâche. Et une fois à gauche, relâche à droite, vers l'arrière encore. Je reviens au centre, on étire plafond, on souffle. Et on va fléchir une jambe, l'autre tendue sur le côté, tout doucement, tranquillement. Avec les mains au sol pour libérer le poids du corps, pour ne pas avoir tout le poids sur les jambes, si c'est difficile. Hop, surtout au niveau du passage, là, à gauche, à droite. Et vous alternez d'un côté, de l'autre, à votre rythme, comme vous le sentez, avec toujours les mains au sol.
On revient ici, au centre, on va pousser les coudes à l'intérieur des genoux pour les écarter et échauffer les adducteurs. Toujours main au sol, hein, le bout des mains, les doigts. Et écartez encore, soufflez. On passe en fente avant. Hop. On essaie de descendre la hanche vers le tapis. Le carrelage, ce que vous avez, la pousse peut-être, il y en a qui sont dehors, non? Et gainage, planche, et je change. Encore. Et on alterne d'un côté, de l'autre. Dos bien droit. Et sur le tapis, on pose les genoux au sol. On s'assied sur les talons. On va libérer la colonne, le dos, on étire vers l'avant. Et on ramène, épaules vers l'avant, ventre au sol. On se redresse. On sort la tête des épaules, on pousse ici, on se grandit. Et on va basculer à gauche, à droite, en relevant donc les hanches alternativement. Tranquillement, on les décolle du sol. Et je reviens, position centrale. Je plante les orteils, je pousse les fesses vers l'arrière. Et on revient, genoux, assis talons. Ramène les épaules pour mettre ventre au sol. Remonte, plante, pousse. On répète ces mouvements plusieurs fois en les enchaînant. Doucement, fluidement. Ne creusez pas le gros dos hein, quand vous êtes comme ça. Pas trop. Ne forcez pas sur les lombaires. Allez, encore deux fois. Et on remonte ici, on pousse les fesses bien vers l'arrière. Et je relâche, et ici, bascule droite-gauche, genou fléchi. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. On écarte de nouveau, on ramène les mains vers les pieds. Inspirez et on va repasser au sol en mettant d'abord les mains. Je ravance et ventre au sol. On se redresse, hop, et repousse. Déroule à fond, dos bien droit et on redescend. N'oubliez pas de respirer surtout, ne bloquez pas la respiration. Inspirez, soufflez à votre rythme et profondément. Là, on échauffe bien les bras. Hop, les jambes aussi travaillent. Et je reste en haut. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. Inspirez. Étirez. Et relâchez. On échauffe les bras sur place, debout. Position du corps, n'oubliez pas les pieds, pas d'affaissement vers l'intérieur, ne rentrez rien, plutôt externe, ici. Position du dos, petite rétroversion du bassin, légère, contraction des fessiers, contraction des abdos. Pas d'arrondi des épaules vers l'avant. Et là, une fois que je suis en position de sécurité, ici, je peux faire mes exercices. Paume de main vers le plafond, bras tendus sur le côté, on essaie de gagner un petit peu vers l'arrière. De l'amplitude. Paume de main vers le sol. Allez, en haut et arrière aussi. Allez chercher vers l'arrière encore, le plus loin possible. Sans cambrer le dos, attention. Et sol arrière.
Allez, les épaules vers l'arrière. 2, 3, 4, 5, 6, vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mouvement de grande amplitude maintenant. On va venir faire des grands arcs de cercle. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De l'autre côté vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est prêt pour un avant, un arrière. Allez, c'est parti. Le tout, c'est de trouver. Une fois que c'est bon, on est lancé, on peut en faire plein. Et alors, on change de côté. Une fois que c'est bon, il faut changer de côté. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Et relâchez. Bassin, droite, gauche. N'oubliez pas les pieds. Encore. Gardez la bonne posture. Les orteils bien devant, droit. Et avant, arrière. Tout ça, ça peut se faire sur le ballon aussi, hein, le gros ballon. Pas sur un ballon de foot, hein, un gros ballon. Swiss ball, j'ai l'habitude de l'appeler Swiss ball, ou gym ball aussi. De l'autre côté. Et relâche, on vient ici chercher sur le côté. Tranquillement, on glisse entre deux murs. Et relâche. Ici, travail d'ouverture de hanche. Je monte le genou et j'ouvre sur le côté. On en fait 3. 1, 2, 3. Et ouverture et fermeture. 1, 2 et 3. La suite de l'autre côté. 1, 2 et 3. Et ouverture, fermeture. 1, 2 et 3. Je relâche. Ici, on va venir pousser, faire une rotation du buste, pousser le buste vers l'arrière ici, je retourne et je vais venir, je reviens et je vais venir mettre genou, coude opposé. Ici, rotation à gauche, je reviens, genou droit, coude gauche. Ça marche ? 4. Faites ça tranquillement en allant bien chercher l'amplitude dans le mouvement, mais en contrôlant le corps. Je contrôle, je ne me fais pas mal, je vais jusque là où je peux, sans forcer, de façon fluide et douce. 4, 5, 6, 7 et 8. On fait la même chose de l'autre côté. Rotation à droite et coude droit, genou gauche. 4. On travaille déjà les abdos, hein. Tranquillement mais sûrement. 4. Et je relâche ici dans cette position. Je vais venir comme si j'allais chercher un nuage en diagonale vers le haut ici, et là je pointe le pied vers l'arrière, je vais chercher. Et je ramène vers moi, pivot, je pose au sol. Ok, on y va? J'étire. Je dis un nuage parce que là, je vois le grand ciel, le bleu, mais il n'y a pas vraiment de nuage en fait. J'ai eu l'idée du nuage. Ça peut être un carton sur une étagère que vous récupérez, que vous posez en diagonale opposée. Encore. 3, 2, 1, faites bien la rotation au niveau des pieds et relâchez. De l'autre côté, étagère à droite, hop, et je repose. 2, 3, 4, 5e, 6e, 7 et 8. Et relâchez.
On fait monter doucement le cardio, tranquillement, mais on le fait monter. Allez, entretien sur place, petit jogging. Ça va toujours? Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. On est toujours à l'échauffement. Antoine, Laurent, Didier. Salut Antoine, Laurent, Didier. On monte encore plus les genoux là. Hop. Et on met les bras en mouvement également. Tranquille, hein, c'est l'échauffement. Tranquille, tranquille. On n'emballe pas le cardio, on fait monter progressivement, talons fesses. Si vous avez besoin de faire encore moins de séries, n'hésitez pas. Et je reviens ici, droite, gauche, sur un pied, hop. On va basculer bassin à droite et à gauche. Pieds joints maintenant, même chose, bascule droite, gauche, les bras. Gainez bien, contractez là les abdos, les fessiers. Léger, petit saut, vraiment léger sur les pointes de pied. Ok, on croise avant, arrière. Léger aussi, tranquille. Et on croise. Côté maintenant. Une fois devant, une fois derrière. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Ici, on récupère. Hop, le pendule. Je chasse à droite, à gauche. Prenez un rythme au niveau du cardio. Inspirez sur 2 ou 3, soufflez sur 2 ou 3. Temps, 1, 2 ou 3 temps. Et je relâche. On va écarter et ici ramener les mains vers l'avant. Même chose, mais on va monter les bras. Jumping jack. 8, même chose, côté. Ok, relâchez. On va faire 3 grandes flexions ici. Squat profond, on essaie d'avoir les tibias perpendiculaires au sol au maximum. Les genoux surtout pas rentrés, mais plutôt vers l'extérieur. Au niveau du squat complet, on est obligé d'ouvrir. Je remonte. Tout va bien? On va démarrer le programme. Je crois qu'on est bien échauffé. On peut boire. On récupère un peu, on fait descendre et puis je vous explique la suite. N'hésitez pas pendant la petite pause à faire un coucou. C'est ça l'intérêt aussi du live. Je sais que vous êtes là, on est nombreux, tout le monde sait que vous êtes là. Que vous êtes nombreux et c'est important. On va démarrer, je regarde s'il y a des petits messages. Ah, on voit plus. Il y en a? Oh, il n'y a pas de message. Envoyez-moi des coucous. Oh, vous êtes peut-être pressé de démarrer. Ok, ok, très bien. Très bien. On y va alors. Travail. 40 secondes d'exercice et 15 secondes de pause entre chaque. On va travailler le haut du corps, le bas du corps, un peu de cardio. On travaillera tous les groupes musculaires. N'hésitez pas à prendre des poids, des haltères si vous voulez complexifier comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, on aura 3 minutes d'abdos, cramage abdos. Et ensuite, on aura 2 minutes 30 de gainage. On était à 2 minutes la semaine dernière. On est passé à 2 minutes 30 maintenant pour ceux qui n'auraient pas suivi. On y va. Alors, je mets mon chrono
Et on est parti pour 40 secondes d'exercice. N'oubliez pas, si c'est difficile, vous faites des pauses plus souvent, vous faites moins vite. Vous adaptez surtout à votre forme, à vos objectifs, à vos besoins. On y va? C'est parti, ce sera premier exercice, le squat. N'oubliez pas, tibia perpendiculaire le plus possible au sol, à la verticale. Et je charge les ischios jambiers et les hanches. Je ne charge pas les genoux. Prêt? Allez, c'est parti. Salut Sarah. Ne rentrez pas les genoux surtout, ne rentrez pas les pieds à l'intérieur, gardez vraiment la posture correcte. Le thorax légèrement vers l'avant, mais pas trop penché. Allez, allez, allez. Et relâche. 15 secondes de pause. Exercice suivant, ce sera squat un peu plus large. J'écarte davantage que la largeur des pieds. Et je descends et je remonte. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Faites attention de ne pas pousser les genoux vers l'avant surtout. On les garde bien derrière. Ça, c'est parti. Vous gérez hein, votre écart. Hein, si c'est trop grand... Si vous avez été trop optimiste, resserrez. Moi, j'ai dû resserrer un peu. Sinon, j'allais faire grand écart. Ça allait glisser. Là aussi, vous pouvez charger si vous avez envie de prendre du poids sur vous. N'hésitez pas. Ok, exercice suivant, ce sera fente. Ici. D'un côté et puis de l'autre. Ou alors vous changez à chaque fois. Ça, vous êtes sûr, au niveau du chrono, je n'aurai pas à vous dire le temps. Donc à droite, à gauche. Sinon, niveau 2, fente sautée. Bah, je vais vous dire quand même. C'est parti. Hein. Ou alors croisée. Niveau 3, catégorique 3. Je vous dirai, la moitié du temps. Et là, on est à la moitié du temps. On peut changer si vous n'avez pas croisé. Ici, cette posture-là, contractez les fessiers et les abdos. Pas de buste trop penché vers l'avant non plus, attention. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Soufflez. On va prendre les haltères maintenant, vos bouteilles, ce que vous avez, et travail biceps, droite et gauche. Posture, on surveille les pieds, les genoux, le dos. On colle les coudes. Allez-y, continuez, hein. Je fais passer du matériel. Ok, on relâche, on souffle 15 secondes. Je vous montre l'exercice suivant qui consistera à rester ici en planche et remonter genoux menton. Contractez bien les fessiers, dos bien droit. Et je peux faire en rapide ou en plus lent comme vous voulez. C'est parti. Allez, reste 20 secondes, on tient. Allez, allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez, soufflez. Exercice suivant. Ici, on va fléchir et remonter en poussant. Ça marche?
5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Je reste en appui sur une seule jambe, je donne l'impulsion pour me redresser. Secondes, à moitié du temps. Allez, allez, allez. Et on garde le sourire, on reste motivé. Allez, 5 secondes. Et je relâche. Relâchez tout. Exercice suivant. On va venir croiser derrière, descendre, encore un travail du bas du corps. Ouvrir et croiser de l'autre côté. Go! Si on veut, on peut venir toucher main, pied opposé, en gardant le dos bien droit, en regardant devant soi. Moitié temps. Et relâchez. Inspirez profondément, soufflez. Exercice suivant, ici. En fente avant, je vais revenir. Toucher la jambe de derrière, reviens. Et je touche main. Mikatsuki, pour ceux qui font du jujitsu. À 20 secondes, je vous dirai. De changer de pied. Il y a eu un coup de pied dans un meuble à côté, je sais pas. Et on change. Et relâchez. Soufflez, exercice suivant, travail des triceps. Main au sol ou sur une chaise. Et si je descends et je remonte, soit je nous fléchis, c'est parti, on y va. Ou tendu ici, au niveau des jambes, ce qui est plus difficile. Et vous descendez à votre rythme. N'hésitez pas à ce travail ici aussi, fléchis, ça marche bien, hein. Ça bosse aussi. D'ailleurs, je le garde comme ça. Là, je le sens bien. Et relâchez. Soufflez, exercice suivant. On va reprendre sur un exercice de cardio de votre choix. Corde à sauter si vous avez, corde invisible ou jumping jack. 3, 2, 1, go! Contractez les fessiers. Gardez un rythme régulier respiratoire. Allez, 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 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. On continue. Exercice suivant ici, même chose que tout à l'heure, je poussais, et si on peut, on va remonter davantage la jambe. Hop. Si vous voulez donner ici Mawashi ou Yokogiri, pas de souci. À la hauteur que vous voulez. Contrôlez toujours
sur le corps. Hein. Ne frappez pas démentiellement dans le vide. Ça ne sert à rien, vous allez vous faire mal. C'est tranquille. Allez, on tient. 5 secondes. Et relâche. On respire. On récupère. Travaille avec toi ou sans si vous n'avez pas. Je fléchis, je monte, je pousse plafond. Inspire au milieu, souffle au sol. Remonte, inspire, souffle plafond. Faites attention à la posture aussi encore. Les pieds, les genoux, droit devant. Le dos. Pas de cambrure. Dos droit. Allez, allez, allez. Quatre. Trois. Deux. Un. Et pause. Soufflez. Exercice suivant. On fera ici. Pas chassé, pas chassé. Je touche et flexion. 1, 2, ça marche? Et c'est parti! Allez, courage! Et relâchez. Exercice suivant. On va faire ici.
fente et la jambe qui est vers l'arrière. Je vais la remonter. Genou coude. Je remonte. Et si vous voulez, vous pouvez faire genou coude. J'ouvre, je ferme, je pose. C'est parti. Toujours la même jambe. Et à la moitié, je vous dis le temps. Faites attention à votre jambe d'appui. Ne rentrez pas le genou vers l'intérieur quand vous remontez. Veillez à ça, souvent c'est ce qui arrive. Et là, on n'est plus en bonne stabilité. On n'est pas dans un mouvement de force quand le genou rentre à l'intérieur. On change. J'ai oublié de dire de changer. On va se refaire 10 secondes, il manquera 10 secondes. On a changé encore 10 secondes. Sinon, il y a une jambe plus musclée que l'autre. Donc, veillez à cette jambe d'appui, là, que le genou ne rentre pas à l'intérieur. Stabilisez. Et relâchez. Soufflez. Et on peut boire. Ça va? Toujours là? Si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez toujours utiliser vos doigts pour écrire des petits messages. Antoine Didier, tout va bien. Ok. Ouais, Manuela qui dit effectivement j'avais rentré le genou. C'est logique, hein. Souvent on essaie de récupérer sa stabilité en rentrant ici le genou, mais c'est pas bon du tout. Le mouvement, le moment de force pour la stabilité, il est vraiment genou directement de face, voire légèrement à l'extérieur. Ok. Donc veillez bien à ça. En plus, vous risquez vraiment de vous faire du mal si vous rentrez les genoux, et notamment même au niveau des squats, quand vous faites des squats, si vous rentrez les genoux, c'est peut-être aussi dû à un affaissement de la voûte plantaire. Ça peut partir des pieds, hein, donc vérifiez vos pieds. Et si vous les rentrez, vous faites mal aux genoux, vous faites mal aux hanches, au bassin et au dos. Et je ne vais pas vous affoler, hein, mais les genoux qui rentrent, ça peut être aussi source de blessure, du ligament croisé, donc faites attention. Vraiment. Ça va, Isa? T'as réussi à te faire ta place, à récupérer ton tapis? Tu t'es pas trop battue avec le chat aujourd'hui? Super, Ludovic. Il y a Mathieu? Mathieu du Barin. Ah, c'est Mathieu et Cindy. Oui, très bien. Bravo, Mathieu. C'est bien que tu fasses la séance encore aujourd'hui. Je te félicite. Super. Cindy aussi. Hein. On va passer aux 3 minutes cramage abdos. Ça marche? On est prêt, on se met sur son petit tapis. Oh, c'est sympa, on va être allongé. Hop. Ce sera des exercices de 30 secondes, divers. Et si vous avez besoin de poser, n'hésitez pas à poser. C'est vraiment trop difficile. Hop, je règle. Si c'est vraiment trop difficile, vous posez. J'ai mon tapis, le problème de On y va, on a récupéré, on est prêt. On est prêt à avoir des beaux abdos. Alors, on va commencer dos au sol. Genou plié, fléchis à 90 degrés et exercice classique que vous connaissez bien maintenant. Je remonte les épaules, je regarde vers le plafond. Je ne casse pas la nuque, je rentre le ventre et c'est parti. On peut mettre les mains derrière la tête pour supporter son poids ou ici le long du corps. Et vous faites à votre rythme. Allez, allez, on tient, soufflez bien en remontant. Et bras en croix, bascule à droite et à gauche.
ici. On revient. Main, pied opposé. Soit vous relevez uniquement le bras, soit vous remontez uniquement le haut du dos, soit vous remontez tout. Vous restez sur les fesses. Vous descendez légèrement à chaque fois. Ça, c'est si vous n'avez pas mal au dos. Et que vous avez déjà un bon gainage, une bonne ceinture abdominale. Pour ne pas vous faire mal. Et on relâche. Chandelle, c'est parti. Je monte. Je fléchis. Et je peux ici passer à l'horizontale, à condition de mettre les mains sous les fesses. Et de passer à chaque fois par la flexion. On peut très bien rester en poussant vers le plafond, hein, c'est déjà super. Et relâchez, exercice suivant. Sur les fesses, twist, droite et gauche. On peut faire avec un poids quelque chose aussi dans les mains que l'on vient poser à droite et à gauche pour renforcer l'exercice. Mais sans rien, c'est déjà très bien aussi. Allez, 10 secondes. Et relâchez. On repasse au sol. Et ici, dans cette position, on va revenir faire droite et gauche avec les genoux. On y va. Allez, plus que 5 secondes. On aura déjà fait nos 3 minutes. Et c'est posé. Wouh! Ça va vite quand même. Ça va? Ça a été? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire si vous voyez progresser, parce que là, ça fait déjà plus de 15 jours, une vingtaine de jours qu'on est ensemble. Ceux qui suivent régulièrement, peut-être qu'ils ont vu déjà des progrès. N'hésitez pas à m'envoyer, ça me fera plaisir de voir que tout va bien de votre côté et que vous progressez. On va poursuivre par 2 minutes 30 de gainage. Donc là, on remet un peu sur les abdos finalement, puisque le gainage, on renforce encore la partie centrale du corps, les dorsaux et évidemment la ceinture abdominale également qui travaille. Dans cet exercice, rentrez bien le ventre et contractez. Rentrez le nombril et contractez cette partie ici. N'oubliez pas, je le montre de vous, on n'est surtout pas de cambrure au niveau du dos. Hop, je pousse les hanches vers l'avant, ici. Colonne vertébrale droite, et là je contracte pour boucler, pour verrouiller la position du dos. Contraction des fessiers, contraction des abdos, comme je vous disais, et les épaules légèrement tirées vers l'arrière, pas d'extrême, hein, pour avoir la colonne droite. On y va? Donc, on retient toutes ces étapes, et à partir de ce moment-là, on est bon pour faire la série. 2 minutes 30 de gainage, ça donne. Que je ne me trompe pas, ça donne 5 séries de 30 secondes. Donc, toutes les 30 secondes, je vous préviens au niveau du temps, vous pouvez changer de forme de gainage, vous pouvez rester en statique, vous pouvez mobiliser comme vous avez envie, vous pouvez faire du gainage latéral ou du gainage de face, comme vous voulez. Vous pouvez poser également si vous avez besoin. Voilà, vous variez, vous faites, ou alors vous restez toujours dans la même position, il n'y a pas de souci. La seule condition, c'est vraiment si vous voyez que vous commencez à quitter la bonne posture, la posture sécuritaire, vous passez à un niveau inférieur, c'est-à-dire soit vous posez complètement, vous décontractez tout, ou vous posez les genoux au sol. Ça marche? On y va? Allez, go, c'est parti! Mains sous les épaules ou avant-bras, et on est sur les pieds. Ou sur les genoux déjà, comme vous voulez. N'oubliez pas, hein, rétroversion du bassin, contraction, contraction. Et alignement, oreille, épaule, bassin, cheville. Et déjà 30 secondes de passer.
Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, ici, je travaille en même temps les abdos en ramenant le genou coude opposé, en croisant derrière. Vous n'êtes pas obligé. En fait, ce que vous avez envie de faire. Et une minute de passé, il reste 1 minute 30. Vous gérez, vous adaptez. Et il reste 1 minute 30. Non, 1 minute, pardon. Il reste 1 minute. On a fait 1 minute 30. Je vous ai fait peur. Et dernière 30 secondes, allez! Rien, vous allez voir, ça va progresser. Le gainage, c'est la même chose. Vous en faites un petit peu tous les jours et après, vous allez voir que le temps que vous faisiez vous semblera facile et que vous pourrez rajouter du temps. On lâche rien, mais on ne grille pas les étapes. Ça, j'insiste vraiment dessus. Ne commencez pas à un niveau 3 si vous vous sentez fébrile, si c'est difficile, si vous êtes en souffrance. Descendez et vous aurez le temps après de progresser et d'atteindre le niveau 3 en temps et en heure. Niveau 3 en temps et en heure. Donc, là on a fait du gainage, je reviens là-dessus un petit peu tous les jours. Demain à 11h, on fait du gainage également. Donc n'hésitez pas à passer sur la séance. On y va pour la récup. Vous avez bu, vous avez soufflé et on va se détendre. On va démarrer debout. Et inspirez. Et étirez vers le plafond. Étirez bien. Grandissez-vous encore, encore, encore. Et je tire sur les épaules. Je sens le dos qui s'allonge, qui déverrouille. Et soufflez. Relâchez tout vers le sol. On va chercher encore jambe gauche en écartant davantage. Là, on est bien échauffé, il n'y a pas de souci. Écartez, allez chercher tranquillement. Et allez vers le sol, au centre, comme si vous vouliez toucher les avant-bras par terre. Hop. Et à droite. Hop. Et à droite.
Et je reviens au centre, même chose. Et à gauche, je vais mettre la main droite. On revient, genou au sol, on étire. Allez chercher loin, grandissez-vous, libérez les dorsaux. On bascule les bras à gauche. On revient de face, on va chercher loin encore. Et à droite. Allez bien à droite pour ressentir l'étirement latéro-costal. On revient de face, on grappille encore quelques millimètres. Et on déroule les épaules. Ventre au sol. On se redresse. Sans cambrer. On pousse bien là sur les épaules. On plante les orteils dans le sol. On pousse les fesses vers l'arrière. Vous avez l'étirement de toute la chaîne postérieure. Je ramène. Jambe gauche à l'extérieur des deux mains. Et on descend la hanche vers le tapis. On peut poser le genou au sol. Là, je saute un peu. C'est pas grave, vous me voyez en ombre, vous m'entendez? Alors, on pose la main et on va relever l'autre de l'autre côté. Donc, on se grandit. Et relâchez. On relève le buste, on pousse tout le haut du corps vers l'avant pour avoir l'étirement du psoas. Qui peut vous libérer les tensions dorsales, hein, je l'ai déjà dit, je le répète au cas où il y en aurait qui n'auraient pas suivi cette séance. Là, ici, étirez bien le fléchisseur de hanche. Et on va planter les mains vers le plafond. Allez loin, 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 loin. Inspirez, bloquez. Soufflez, main au sol. Planche, ventre au sol. On se redresse. Plante orteil, pousse les fesses. Et je ramène. Pied droit. Ça bug complètement. Encore. C'est marrant, et c'est toujours à peu près au même temps. On dirait qu'on a une connexion. 48 minutes sympa et après ça bloque. Alors, si vous m'entendez, on est en fond d'avant. On monte la main vers le plafond, c'est bon? C'est juste l'image. L'image qui saute. On pose la main, même chose de l'autre côté. Et on pose les deux mains, on pose le genou. Si ce n'est pas fait, on redresse le buste, on pousse le bassin vers l'avant, on étire le psoas. Et plantez les mains vers le plafond. Inspirez, grandissez-vous, étirez la colonne encore. Et je souffle, j'écarte les mains sur le côté. Je détends, je pose les mains au sol. Planche, ventre au sol. On se redresse et on vient s'installer, s'asseoir sur les talons. On étire moins vers l'avant. Et je déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Bien écraser un pas contre soi. Et chercher la main avec l'autre main. Et je relâche. Même chose de l'autre côté. Écoute vers le plafond, descends la main. Hop, on lâche, on va chercher derrière. On essaie d'attraper les doigts, de se serrer la main à soi-même, tout va bien. Ça, on a le droit. Et je relâche. On vient s'asseoir. Ici, une jambe fléchie, une jambe tendue. Et on va chercher la pointe de pied que l'on ramène vers soi. Étirer toute la chaîne postérieure des jambes. Ici, je descends doucement, sans forcer, sans me faire de mal.
Étirement léger. Relâchez, même chose de l'autre côté. On se grandit, on descend. Je reviens quadriceps, jambe fléchie vers l'extérieur. Et je remonte ici la hanche du côté de la jambe fléchie, je pousse le genou dans le sol. Je monte, je pousse le genou dans le sol. Et je relâche. Jambes tendues vers l'avant. On va essayer de faire un angle de 90 degrés entre le buste, le haut du corps et les jambes. En ayant les pieds flex. Si c'est difficile, venez mettre les mains vers l'arrière et pousser. Si vous avez cet angle, c'est très très bien. Vous avez une bonne souplesse au niveau ischio. Hop, on écarte. On fait la même chose. On essaie d'avoir le buste bien droit. On peut céder des mains à l'arrière en poussant légèrement. Inspirez, relâchez les muscles et essayez d'aller chercher vers l'avant avec le dos bien droit. Sans se faire mal, il ne faut pas que ce soit douloureux surtout. Ça va? Ça tient? Soufflez, relâchez. Et on libère doucement. On vient s'allonger sur le dos, ramener genou poitrine. Et bascule à gauche, bras droit tendu sur le côté. Reviens. Genou poitrine. Et on bascule de l'autre côté. Étends, déroule le dos doucement jusqu'à mettre les pieds au sol. Genou toujours fléchi. Pied droit sur genou gauche. Et je viens chercher le genou gauche que je ramène vers moi pour étirer le fessier. On peut poser la tête au sol sans problème. N'oubliez pas de ramener vers vous sans douleur, me ramenez bien. Et je pose doucement, on change. Et repose doucement. On cherche la longueur. Et relâchez. Encore une fois, inspirez, étirez et relâchez. Bascule côté, dos, ventre. Et poussez les fesses vers l'arrière. Étirez encore la chaîne postérieure des jambes. Dernière fois. Je ramène les mains. On déroule. Et inspirez. Étirez encore vers le plafond. Grandissez-vous. Inspirez, cherchez la hauteur et relâchez, soufflez. Encore une fois, inspire, étire loin, 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 écarte et souffle jusqu'au sol. Dernière fois, déroule, inspire, étirez et relâchez, soufflez à fond. On déroule, toujours le genou légèrement fléchi. Je remonte vertèbre par vertèbre. Et bravo à tous! Super! Merci, merci beaucoup d'être encore venu ce soir, de vous motiver, de vous encourager, de bouger. C'est tout ce que je vous souhaite, vraiment, que vous continuiez à faire votre activité et qu'on se retrouve après le confinement en pleine forme. Voilà, et pour ceux qui suivent uniquement les lives, que je ne retrouve pas sur les cours, bah, continuez aussi, bien sûr,
Et puis, vous aurez toujours les vidéos, il y aura peut-être encore des lives. Voilà, j'aime bien le rythme qu'on s'est donné. C'est vraiment sympa de se retrouver comme ça dans ces conditions en live où on peut se parler. Merci pour vos petits messages et puis je vous félicite hein, pour votre assiduité, pour votre motivation toujours. Je vous remercie pour les messages aussi, pour vos retours, pour vos mails, pour tout ce que vous m'apportez également. Voilà, j'essaie de donner mon maximum pour que vous soyez bien, que vous soyez en forme, pour que vous gardiez le moral également. Et ces retours, ça me fait plaisir. Je me dis, ben voilà, il y a quelque chose, il y a eu un échange et j'arrive à vous donner ce que je peux faire. Voilà, donc ça me fait vraiment très plaisir. On se retrouve soit... pour le Daiso de 18h renfo cardio, on est quand mardi, jeudi, ou alors demain à 11h pour le Daiso Zen où on travaille également tous les groupes musculaires. On fait beaucoup moins de cardio mais on se renforce aussi très très bien, ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas à passer. À demain, bonne soirée à tous. À demain Ludovic, 11h, alors ça marche. Bonne soirée Manuela. C'est cool, ça va, ça me fait plaisir que tu sois là. Je pense bien à toi, à ta petite famille aussi. Bisous à tous les quatre. Il y a Pascal qui dit problème du décalage d'image et de son pendant 15 minutes avant la fin. Je suis désolée. Ouais, il y a eu un petit souci au niveau de la connexion, de l'image. Je suis désolée. Je sais pas d'où ça vient. Ouais, merci beaucoup, bonne soirée à tous. Bonne soirée, Isa, bonne soirée à toute la famille. Bisous aussi à tous. Véronique. Merci, bonne soirée, à demain matin. À demain matin, Véronique, bonne soirée à toi. Et Laurent qui dit merci et bonne soirée à toutes et à tous. Très bien, Laurent, bravo. Et puis, bonne soirée à toi aussi. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à aller chercher les rediffusions des vidéos si vous voulez. Faites-vous plaisir et puis bah, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao, en pleine forme et motivée. Salut. Faut pas ouvrir, ça va faire pour l'air.